ces deux pôles d'une manière complémentaire. Et je pense qu'un jour, cette complémentarité pourra se vivre dans une fédération protestante remodelée, qui aura évolué et qui pourra accueillir complètement en son sein ces différentes familles protestantes. Pouvons-nous nous réconcilier avec les autres familles protestantes ? Tout dépend de quoi on parle. Je pense que s'il s'agit de se donner la main d'association dans un monde largement sécularisé et plutôt catholique pour la France, oui, sur un certain nombre de choses, je crois que l'enseignement nous le prouve, mais nous le devons. Sur des questions plus fondamentales en matière de foi et de positionnement éthique, il est probable que ce sera un peu plus compliqué. Mais on peut espérer quand même que les dialogues théologiques permettront à ces deux fédérations et à l'intérieur de ces fédérations, aux églises quand même, de, sur le terrain, c'est ça qui est important, sur le terrain local, d'être ensemble, non pas en concurrence, mais en connivence. Venez, dit Jésus. En fait, le protestantisme français se réorganise. Mais plus globalement, dans l'Hexagone et ailleurs, la famille protestante est interpellée par la question de la prière de guérison et par de nouvelles théologies. Faut-il croire au miracle ? Dieu agit-il pour guérir ? Ces questions divisent nettement les protestants. En cas de maladie, 70% des évangéliques comptent sur des guérisons miraculeuses. Ils sont bien moins nombreux chez les luthéraux réformés, seulement 13%. Il n'y a aucun consensus à l'intérieur des milieux évangéliques sur l'enjeu de la guérison, avec notamment une vaste mouvance que je qualifie de piétiste orthodoxe, qui met à distance la question des dons du Saint-Esprit, et notamment des manifestations miraculeuses du Saint-Esprit, à commencer par la guérison, même si sur le papier on reconnaît une validité théologique à cette guérison, mais dans la pratique, dans les assemblées, on s'en méfie quand même beaucoup. Et on ne met pas du tout en avant ces guérisons. En revanche, dans l'autre grande famille de type évangélique, qu'on peut définir comme famille charismatique pentecôtiste, en revanche, effectivement, la guérison à Fignon-sur-Eux, elle fait même parfois partie de l'offre de salut, hein, c'est-à-dire qu'on va d'emblée, lorsqu'on présente le christianisme, mettre l'accent sur la guérison. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui guérit. Je crois au miracle. Je crois que Dieu intervient bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. C'est ça que je veux dire quand je parle de miracle. Mais quand on arrive dans certaines églises ou chez certains leaders à vouloir provoquer des miracles, exiger des miracles, donner rendez-vous à des miracles, ou bien quand on en arrive à dire qu'une prospérité matérielle et même financière est le signe d'une vraie foi, on est évidemment dans l'utilisation d'une puissance et dans des dérives qui sont des dérives graves parce qu'elles peuvent briser des personnes, briser des familles. La théologie de la prospérité est une théologie qui naît essentiellement en Amérique du Nord, qui s'est répandue avec force en Amérique du Sud et qui va trouver un champ d'expansion absolument incroyable en Afrique subsaharienne. La théologie de la prospérité consiste à annoncer qu'avec le salut, les personnes acquièrent en Jésus-Christ de la même manière la santé et la prospérité matérielle, la richesse. Ces théologies de la prospérité sont discutées à la fois à l'intérieur de la sphère luthéro-réformée, mais aussi à l'intérieur de la sphère évangélique. Il ne faut pas imaginer que l'ensemble des protestants évangéliques français sont favorables à la théologie de la prospérité. Tout ce qui recherche de puissance est suspect, parce que ça ne met pas l'accent sur Dieu lui-même, bien souvent, mais sur celui qui prétend pouvoir accomplir un miracle, ou vivre un miracle, ou interpréter un miracle. Pour un certain nombre de néo-protestants, d'églises de migrants, mettre en avant le bling-bling, mettre en avant la belle Mercedes, la belle Jaguar, les chaussures à 2000 euros, c'est pas nécessairement se jeter à plat ventre devant le veau d'or. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est aussi dire, on peut y arriver. Dire que les disciples du Christ vont devenir riches, ici c'est carrément une escroquerie. Nous avons donc décidé de nous prononcer sur cette question parce qu'elle touche en particulier des communautés d'origine africaine, entre autres, sur notre sol, qui peuvent être la proie de gens indélicats. J'ai vraiment croisé des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec le christianisme. L'essentiel, c'est étant la prospérité comme signe de la bénédiction de Dieu. Dans les 10 ans à venir,
Le défi majeur pour le protestantisme, tant français que mondial, sera de définir ses contours, ses frontières. Tous les rameaux protestants peuvent-ils encore s'identifier au protestantisme? La question est difficile, source de polémique. Irrigué par la théologie de la prospérité, mettant l'accent essentiellement sur l'émotion religieuse, certaines composantes du pentecôtisme, mais pas l'ensemble du pentecôtisme, pourraient être déjà en voie de sortie du protestantisme. Le protestantisme a plus changé en un siècle que dans les 3 ou 4 siècles qui ont précédé. En particulier sous la poussée évangélique et plus encore sous la poussée pentecôtiste. Je ne sais pas si les évangéliques vont devenir majoritaires. Ils sont en tout cas, il y a une dynamique de croissance chez eux, mais je constate aussi une revitalisation de certaines paroisses luthéro-réformées. Un des grands débats quand même d'avenir pour le protestantisme dans le monde et en France aussi, c'est la question de la différenciation ou non du courant charismatique pentecôtiste et du reste du courant protestant. Aujourd'hui, nous comptons 800 millions de protestants dans le monde. Mais si nous enlevons les pentecôtistes et les charismatiques, les 2/3 des effectifs fondent. On n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Il n'y a pas, je dirais, une inclusion du pentecôtisme dans le protestantisme systématique, parce que le pentecôtisme, tout en se rattachant quand même à un processus protestant, chrétien, est quand même une confession qui a développé un certain nombre de dimensions de la théologie auxquelles se sont opposés les réformateurs Calvin et Luther. Ce que les Calvin et Luther ont appelé l'illuminisme. Ils craignaient beaucoup les manifestations de l'esprit, qui en quelque sorte risquent de se détacher des écritures et de la raison. Les limites du protestantisme, eh bien, personne ne peut les dire, et bien malin sera celui qui pourra, à partir de telle ou telle église, tel ou tel terrain, dire de manière autorisée, ça c'est protestant, et ça, ça ne l'est pas. Le protestantisme d'il y a 20 ans, le protestantisme d'aujourd'hui, et le protestantisme de nos enfants et petits-enfants sera très différent. Le défi, c'est vivre la diversité dans l'unité. Comment intégrer des familles confessantes différentes, mais au fond, finalement, avec ce même socle, cette même base, la Bible.